En novembre dernier, on avait démarré l'unité de fermentation qui permet de convertir les sucres en isobutane gazeux. Et puis plus récemment, on a démarré l'unité de purification et de conditionnement qui nous permet d'arriver à des bouteilles, à des cylindres sous pression qui contiennent de l'isobutène liquide. Ici, nous sommes dans la partie purification et conditionnement. Jusqu'à présent, autant au laboratoire qu'ici, nous avions produit de l'isobutène, mais pas purifié. So we've moved from a laboratory type thought process to a commercial thought process where material is being tested under commercial conditions to understand exactly how our product behaves in the real world. Et cet isobutène, on l'a plus récemment envoyé en Allemagne pour qu'il soit converti en isooctane. L'isooctane, c'est une molécule liquide, c'est de la vraie essence en fait. Et pour la première fois, on a pu voir le produit qu'on faisait. En fait, c'est ça. Ça, c'est un échantillon d'isooctane, c'est-à-dire de vraie essence produite à partir de végétaux. Et cet isooctane, on va prochainement l'envoyer au constructeur automobile allemand Audi. C'est une des étapes en fait du partenariat qui nous lie avec eux. Et Audi va s'en servir pour faire d'abord des tests pour voir ce qu'il y a dedans, puis des tests moteurs, puis pour progressivement faire rouler des flottes automobiles de plus en plus importantes. All the products we're making here are commodity type chemicals of a very large volume, very important to society. They're involved with paints, they're involved with gasoline, so they're biofuels as well as chemicals that are used broadly across the world. Ah, ce qui m'enflamme dans ce projet de POMAC, c'est de participer à cette aventure de l'après-pétrole. We think we're bringing greenness to a field that desperately needs greenness. So it's basically we're moving away from an oil-based economy towards something that has a renewable, sustainable feature to it. Donc avec cette installation, nous avons acquis beaucoup d'expérience théorique et pratique pour les autres échelles d'industrialisation. Et aujourd'hui, nos regards se tournent vers l'Allemagne puisque on est en train de construire un démonstrateur industriel 10 fois plus gros que ce pilote de POMAC. On va pouvoir faire des quantités plus importantes d'isooctane et puis on va aussi pouvoir faire de l'isobutène haute pureté pour faire des plastiques et des caoutchoucs. As everyone knows, there's been major turbulence in the oil market starting last June. Prices have come down significantly and now the trend seems to be upward. We still have a competitive offering to bring to the market. Donc moi je pense que ça a vraiment une dimension historique, c'est-à-dire que c'est la première fois que nous on arrive à faire de la vraie essence à partir de végétaux et c'est peut-être le début d'une mise à l'échelle qui va faire qu'on aura cette molécule-là, qu'on aura ce produit-là dans nos réservoirs de voitures très bientôt à grande échelle.